écoutez, découvrez, soyez curieux. Rockin' Foley, Independent Rock Radio. Hey, bienvenue pour un nouveau numéro de Projeti Rock. Comme chaque semaine, Projeti Rock vous présente un groupe de la scène française. Aujourd'hui, je vous emmène du côté de Nice. Ce n'est que la deuxième fois que je présente un groupe niçois, ça ne fait pas beaucoup, mais comme on dit, la rareté fait la valeur, et là les enfants, question valeur, on a un véritable bijou. Je vous présente donc Schrödinger avec ce premier titre, voici Love and Saucer. To me a whisper, let's do it again. She ain't no human but a lover. I'm totally Discover new rock horizons. La radio découverte. Voici un projet qui sort des standards et ça fait du bien. Le projet est né en 2018. Julien, qui est à la guitare 6, 7 ou 8 cordes, et Adnan, qui est au chant, ont commencé à travailler dessus. Mais le groupe existe réellement depuis 2019. Comme vous avez pu le constater avec ce premier titre, on voyage dans les styles de la violence du métal à la douceur jazzy. Schrödinger va vous surprendre par cette facilité à mélanger les genres sans jamais en faire de la bouillie. Et quand je parle de mélange des genres, c'est vraiment tous les genres. Metal, hip-hop, funk, jazz, disco, pop, voire de la soul.
tout y passe. On navigue constamment entre les ambiances et c'est parfaitement réussi. À l'image de leur pochette de cette excellente EP qui montre un cornet de glace avec pour boule un champignon nucléaire, il y a ce contraste permanent de violence et de douceur avec des transitions toujours parfaitement réalisées, ce qui fait que ça passe toujours crème. Vous imaginez bien qu'avec autant de variétés de styles, les influences sont partout. Le métal moderne, la musique latine, traditionnelle et pop, le rock des années 90 comme Incubus ou les Red Hot, ou encore la musique progressive et expérimentale telle que Mr. Bungle ou 12 Foot Ninja. Je mettrai également un peu des excellents Faith No More. Le premier EP est sorti en 2019. 6 titres excellents que je vous conseille vivement d'aller écouter car c'est vraiment une pure merveille. Sachez que 2 singles sont sortis en 2021. Un en février et l'autre au mois de novembre dernier. D'ailleurs, on va s'écouter un petit extrait de In The Serre qui est sorti il y a un an et qui a été la découverte du mois pour le magazine Rock Hard. Et franchement, il est pas beau ce petit extrait? Donc pour ce qui est de leur actu, le groupe vient de sortir un nouveau titre, une reprise de Ricky Martin, le 15 mars dernier. Bon perso, vous n'allez sûrement pas être surpris, mais je préfère largement cette version. Rendez-vous sur leur chaîne YouTube pour les découvrir. En plus, le clip est vraiment top. Une raison de plus pour vous éclater. En guest, il y a le YouTuber multi-instrumentiste Marc Papéguin, qui est connu pour ses nombreuses reprises liées aux jeux vidéo et au métal, et qui a également travaillé sur leur premier EP. Et en parlant de galettes, sachez qu'ils travaillent sur leur premier album et que d'après eux, il y a tellement d'idées que les choix vont être nécessaires. Sinon, une tournée française est en préparation. Elle devrait démarrer fin 2022, début 2023. Abonnez-vous à leur page Facebook ou sur Instagram pour les suivre de plus près. On enchaîne avec un nouvel extrait. Extrait tiré de leur premier EP. Voici Slack qui va vous donner un nouvel aperçu de ce mélange de styles aussi surprenant que génial. Toutes les bonnes choses ont une fin, Schrödinger est un véritable coup de cœur pour moi et j'espère vous avoir également donné envie d'aller les écouter. En tout cas, si vous aimez ces groupes qui cherchent à sortir des standards, Schrödinger est fait pour vous. Et je ne suis pas le seul à partager cet avis puisque toutes les chroniques qui ont été faites pour cette EP sont unanimes. On est dans le top. Pour ceux qui me découvrent, je rappelle que Projet T-Rock c'est tous les jeudis sur Rock en Folie. Mais que Projet T-Rock c'est aussi une chaîne YouTube où vous pouvez découvrir plus de 275 groupes à l'heure actuelle, du rock, du metal et du punk. Il y en a pour tous les goûts et croyez-moi, il y a aussi pas mal de pépites. Il va être temps de vous laisser. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour découvrir un nouveau groupe de la scène française. Comme d'habitude, je vais vous passer un dernier morceau. On se quitte avec le dernier single sorti au mois de novembre dernier. Voici Bloody Mary. À noter à ce sujet que je vous ne l'ai pas dit dans la partie actu,
mais qu'un clip est en préparation pour ce titre. Ça fait une raison de plus pour vous abonner à leur chaîne. Allez, ciao! I am so tired, walking down the wrong line, don't seem to get over. I am not afraid, and I won't get away unless you take her away. Where you're old, I'll feel your bell. Rather die than Rather